Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous aimez regarder. Alors, je te dis à tout de suite. On suis ultra méga contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un partenariat. Oui, et on se retrouve pour une vidéo, et je pense que tu l'as vu dans le titre, qui est une vidéo, une youtubeuse fait mon shopping sur un site asiatique. Oui, et je pense que si tu me suis, si tu es un abonné fidèle, tu sais avec qui est cette vidéo en partenariat. Pour tous ceux et celles qui arrive sur ma chaîne, qui arrive sur cette vidéo et qui ne sait pas, nous sommes en collaboration toutes les deux, et cette vidéo, j'avais trop hâte de la tourner, et c'est avec la jolie, magnifique portugaise Paula Latina. Tu l'auras juste à côté, tu auras un petit peu le déroulé de sa chaîne, voir qui elle est, et juste en haut ici, tu auras dans le petit le lien de sa chaîne. Donc, nous avons décidé depuis fin 2018-2019 de faire des vidéos en collaboration. C'est-à-dire que nous aurons le même thème, mais on a remarqué qu'on avait deux façons différentes de faire nos vidéos. Et je trouvais super intéressant de faire ce style de vidéo. Et comme on s'entend super bien, allez, on se dit let's go. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on le prépare. Et la vidéo que vous avez vue dernièrement, où j'ai marqué un colis suspect dans ma boîte aux lettres, eh bien, elle m'a envoyé les deux produits pour ce partenariat. Et bien sûr, elle a rajouté des choses. Mais elle s'est un peu vengée, puisque moi, j'ai envoyé mon colis bien avant elle. Et j'avais aussi rajouté plein de choses. Pour tous ceux et celles qui ont cru que c'était un swap, non, c'était juste l'envoi, nos échanges pour ce partenariat, et on s'est fait plaisir en même temps. Ce partenariat, il fallait donc choisir deux hauts plus deux bijoux. Voilà, donc c'est une tenue. Voilà, je crois que c'était un bijou ou deux bijoux, je m'en souviens plus. En tout cas, c'était deux hauts avec un bijou. Il me semble bien que c'était ça. Et c'est ici. Et il fallait choisir ces deux hauts et ces bijoux sur un site asiatique. Alors, que ça soit AliExpress, Joom, Wish, Shein, vous en avez plein maintenant. Je ne sais pas du tout où c'est qu'elle les a achetés. Mais en tout cas, j'ai les deux petits paquets. On va commencer par la tenue numéro 1. Donc, on s'est échangé bien sûr nos tailles. On va savoir si durant maintenant, je crois pratiquement un an qu'on se parle, si elle nous connaît bien ou pas. On va voir. Tenue numéro 1. Allez, je vais découvrir. Elle m'a dit j'espère que ça t'ira bien, j'espère que ça t'ira bien, j'espère que ça t'ira bien. Alors, au numéro 1. C'est un débardeur. J'attends. Elle me connaît trop bien. Avec de la dentelle. Il est magnifique. J'adore. Donc, bien sûr, il faut que je l'essaye. Voilà. Je vais l'essayer. Il est trop beau. Il y a toute la dentelle devant. Noir. Elle me connaît trop bien. Il est fendu un peu sur le côté. J'espère juste qu'il va m'aller bien. Donc ça, c'est la première tenue. Au niveau du bijou, qu'est-ce qu'elle m'a pris? Ah, waouh! C'est un petit collier comme ceci. Avec un cœur. Je pense que c'est un collier. Avec plein de petits strass. Comme ceci.
parti. Je vais essayer tout ça et puis je vous reviens tout de suite. Vous allez voir la magie, ça va être fantastique. Allez, c'est parti. Le premier haut, il est juste magnifique. Donc le collier, j'adore. C'est un rat de cou comme ça, vous voyez, c'est un rat de cou avec un petit cœur comme ça. C'est magnifique. Alors regardez pas mes ongles parce que voilà, ils sont en train de d'être pas très beaux. Il faut que je refasse ma manucure. J'adore le collier. Oh, la dentelle, elle est trop belle devant. J'aime beaucoup. Il est noir, il est simple. Sur le côté, il est un peu fendu. Il est trop beau. Donc, moi, j'ai mis un petit boléro comme ça. Parce que moi, je préfère, j'aime pas trop. Mais autrement, c'est voilà, c'est dos nu, vous voyez. Bon, ça, c'est bien pour cet été, mais là, il fait pas très très chaud. Un débardeur avec un collier, une boucle d'oreille ou ce qu'on voulait. Voilà. Trop trop beau. Ah, mais alors, le collier, je suis en kiff, hein, comment vous dire. Ah, même le haut, hein. Le haut, il fait trop trop beau. Magnifique. Ah, elle connaît bien mes goûts, hein, la peau là. Donc, première tenue, j'aime beaucoup. Dites-moi vous aussi si vous aimez ou pas. Allez, on va passer à la deuxième tenue. Deuxième tenue. Donc, j'ai pas précisé, mais il me semble que c'était un haut d'été et un à manche longue. Donc là, maman, c'est celui à manche longue. Allô, allô. Il y a de la dentelle. Ouh, il y a un rat de cou. Voilà. Elle me connaît trop bien, mais trop trop bien. Oh là là. Oh, il est magnifique. Oh là là, je crois que celui-là, je l'avais vu en plus. Regardez-moi ça. C'est que de la dentelle. Hop, dentelle. Je ne sais pas du tout où elle les a commandées. Je ne sais pas du tout. Là, il y a un petit défaut, là. Petit défaut, là, mais je le cramerai peut-être avec un briquet. C'est comme ceci. Le haut, il est comme ceci. Voilà, il descend noir. Donc, elle a très bien fait. Elle est très, très bien. Je dis rien, mais... voilà. Le haut noir que je lui ai acheté... ça y ressemble pratiquement. Donc, le petit haut manche longue comme ceci. Et donc, petit collier ras de cou comme ceci avec plein de paillettes. Donc, pour voir de la vidéo, on se dit à tout de suite. Tenue numéro 2. J'adore. Mais j'adore. C'est trop, trop, trop joli. Ras de cou. Bling bling. Donc c'est ma fille qui me l'a mis, donc elle me l'a pas assez serré parce que je galérais à le mettre. Mais comme il y a un effet un peu collant, ça va, ça se voit pas trop. J'adore le ras de cou, quoi. Il est trop beau. J'en avais déjà vu comme ça des plus épais qui me plaisaient, mais j'ai bien fait de pas me les acheter. Voilà, donc super joli. Le haut, mais je suis en amour sur le haut. Il me semble que je l'avais vu sur Shein. Et j'avais failli me l'acheter. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Alors on est sur un haut à dentelle comme ceci, transparent. C'est sur les épaules et sur le derrière. Ici, il n'y a pas de dentelle transparente noire. On est sur un haut comme ceci. Donc de préférence mettre un soutien-gorge bandeau, ce que j'ai fait, mais il est blanc. Donc on voit peut-être un peu de transparence dessus. Pour là. Il me va super bien. Toi qui avais peur que ça soit un peu court, non. Elle avait peur que ça ne maille pas. Voilà. Parce que je ne suis pas une fille qui fait 36, 38. Hein. XL, normalement, ça me va impeccable. Mais sur certains modèles, tout dépend comment ils sont taillés. Et bien des fois, je prends XXL. Ça me va un peu grand. Mais voilà, je préfère avoir quelque chose de grand que des choses trop serrées. Mais franchement, il me va nickel chrome. Voilà, toi qui avais peur, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Juste au niveau des manches, mais ça, je pense que c'est dans tous les sites asiatiques. Voilà, on n'a pas les manches qui arrivent là. Est-ce que c'est une mode en Chine? Je ne sais pas.
mais j'adore. Donc n'hésitez pas à dire si vous préférez dans le petit sondage juste en haut la tenue numéro 1 ou la tenue numéro 2. N'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo qui sera en barre d'infos juste en bas. Le lien y sera de la vidéo de Paula pour voir quelles sont les deux tenues que j'ai choisies pour elle. Est-ce que je n'aurais pas fait une petite folie surtout sur un haut? Est-ce que je n'aurais pas acheté un haut pas du tout dans sa zone de confort où on a l'habitude de la voir? Aïe aïe aïe, qui sait, ça tu le sauras si tu vas voir sa vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut, autant sur sa chaîne que sur la mienne, puisque si on voit qu'on a pas mal de vues et qu'on a un maximum de pouces vers le haut, on se retrouvera pour une deuxième partie. Et par contre, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quelques petites idées, ça nous permettrait de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire en deuxième partie. Shopping asiatique, quels sont les hauts qu'on pourrait acheter. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces vers le haut. Pour les pouces vers le bas, je pense que on n'a plus à vous le dire, vous savez très bien le faire. Comme je vous le répète à chaque fois, vous êtes libre d'aimer ou pas mes vidéos. Voilà, mais ça fait beaucoup plus plaisir quand on a plein de pouces vers le haut, c'est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus encourageant. Si tu es tombé sur ma vidéo et que tu as aimé ce style de vidéo et que tu veux en voir plus, eh bien sûr, n'hésite pas à venir t'abonner, c'est juste en bas, ça fait super plaisir. Et n'oublie pas de venir activer la petite cloche qui te permettra d'être notifié sur toutes les vidéos que je vais sortir. Sur ce, eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien, prenez soin des gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.